Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de Batman Arkham Origins Blackgate. Là, on a déjà 40%, on est à 50% du jeu. Ça veut rien dire. Alors si je me souviens. I need that cable launcher to get to the warden. There might be one in the administration building construction area. Ok, on y va. Je vois rien qui pourrait vraiment m'aider. C'est une porte. Ça n'aide pas. D'après la carte. Ouais. Je dois aller là. Je suis actuellement ici. Ça n'aide pas du tout. Du tout. Il faut que je passe cette porte. Distance. Okay, je comprends rien du tout de ce que je dois faire ici. Analyse, mais ça veut pas dire les débris qui bloquent. Et niveau 3, je parie. Regardez, je maintiens le bouton. Voilà. Je maintiens le bouton. Bad timing. You just happened to show up on the day the prison decided to spray for bats. Qu'on est mort, quoi. Ah,
Alors ça c'est les hommes du Joker. Ok, ils sont en mode Zikro. Mais je m'y connais en Zikro. Et j'aime bien, c'est qu'il y a possibilité d'aller plus haut à partir de là. Donc ça veut dire que ce truc-là n'est pas utile. On peut... Il y a sans doute quelque chose de caché là-haut. On va aller là. Hein. J'abandonne l'idée que le grappin sera utile dans ce genre de situation. Donc ça c'est du non non non, tu ne passeras point par là, Batou. Alors entre ça et le Oonga Boonga de Conker, je vous dis pas la folie des let's play que j'ai en ce moment, surtout quand je sais que Under Hero est sorti. Que je pourrais jouer à Under Hero en ce moment, que je pourrais me marrer. Je l'ai vu d'ailleurs, il est sur mon Steam, enfin dans ma liste de souhaits Steam. Au moins le Joker, c'est le Joker. Même si c'est très difficile de se dire que l'image qu'ils nous font du Joker... de dos. On est là pour comment aller jusque là en fait, mais on se tape ça parce que raison. De toute façon, c'est du scénario, hein, donc. Librarian's in danger, Batman. Check it out. Get it? Librarian, check it out. Portée verrouillée, de toute façon, elle est retenue par une alarme, on dirait. In the case of dealing with a boss who's sporting a few loose screws, the best policy is just smile and nod. He's gotta be close. We'll find him. No, no. To the no, no. No, je dois attendre que tu te retournes.
Super. Je me dis qu'au moment où je vais l'utiliser, ça va déclencher le piège de toute la pièce. Je connais le Joker, hein. Je connais ses méthodes. Même pas. Il est fer comme ça, le Joker. Stay put for now. It's too dangerous out there. Okay, you got it. Vous êtes frères jumeaux. Non, mais ils ont oublié de nous faire une tête différente alors qu'on est l'un à côté de l'autre. Je comprends. Moi, ils n'ont pas changé mon design. Ok, c'est génial hein, de me faire apparaître comme ça à côté de potentiels gars qui veulent ma peau. I get the feeling the boss doesn't really care about us, you know? Ouais, non, ça vaut pas le coup. Je suis sûr qu'il peut me voir à travers les murs. J'en suis persuadé. Je pouvais faire tomber le lustre. Ça n'aurait pas été très discret, je trouve. Voilà, non létal. C'est bizarre, les plans du Joker d'habitude sont thanks, Batman. Un peu plus élaborés. Rude, Batman. Very rude. Wish I could say it's been a gas, but it hasn't. This is a gas. Par contre, ça, je dois l'avouer, ce passage où genre le Joker met du gaz dans une pièce et qu'il faut s'échapper avant que ta jauge de gaz augmente, ça aurait dû être repris dans d'autres jeux. Sincèrement. Pour moi, c'est un truc qui manque beaucoup dans les jeux Arkham, c'est ce gaz du Joker utilisé sur des gens. Parce que vraiment, on le voit dans à Origins, quoi, mais c'est tout, quoi. Les autres fois, c'est genre, active-toi avant que j'active mon gaz. Et si le gaz s'active, t'as même pas le temps de voir ta mort. I'll just cover this point. I should have stayed in bed this morning. Bidou, 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 bidou. Bidou, bidou, ça doit être quelque part que ça se cache. Évidemment, c'est des indices, je m'en fous! I think we got what it takes. Je pensais que c'était un chemin dérobé pour passer derrière eux. Mais non, faut les taper de toute façon. Push him towards me! Boum. Petite nature. Ok, une pièce pleine de gaz. Pourtant j'ai mon doigt appuyé dessus. Hein.
coup, c'est ici que ça me dit tu as besoin de ce du câble. Est-ce que je suis à l'endroit où je devais aller? Je pense. Parce que ça c'est le blanc, donc je suppose que ça doit être l'objectif principal, aller choper le Joker. Mais... Du coup, je vais si je récupère les trucs, je vais directement voir le pingouin, je m'en fous. Hein. Voilà, je me fais exploser exprès. La tyrolienne. Donc je suppose qu'ici elle est utilisée en mode utilise la tyrolienne pour traverser. Sauf que bon. Moi je veux aller affronter le pingouin, bon, tant pis, on va peut-être affronter le Joker d'abord. Hein. Je voulais finir sur le Joker. À la limite, si, au moment où j'arrive, où je sens que ça va être le boss Joker, c'est genre, le Joker est derrière cette porte, je switcherai, j'irai chercher le pingouin d'abord, j'ai pas envie de... De toute façon, je le sens qu'on va se retrouver dans une situation... Où je vais devoir aller comment? Où ça va me faire faire demi-tour quoi? Voilà, une caisse wedge. J'espère que c'est un bonus d'armure et non pas encore une de ces saletés. Mais je m'en fous des tenues. Qui a du fun sur ce jeu au point d'aller chercher toutes les tenues? Donc de 1, chercher toutes les tenues. De 2. Chercher tous les trucs d'enquête. Tenez, je vous ai bolossé au sol, bande de fils de vos mamans. Le Joker doit avoir une tyrolienne pour se balader. Est-ce que le Joker ne préconise pas les bains? Ou même des douches, parce que là... Do you know what it takes to be the Joker? A brilliant sense of comedy, a cunning mind, and 3 years of dental work! Ok, donc pour désactiver les trucs, pour aller chercher le Joker, donc qui est sans doute dans la pièce d'en face... Il me faudrait... Le truc de décryptage... Bêta, qu'on va sans doute récupérer plus tard. Une amélioration de combat. Ah putain, ça fait du bien.
est un peu, on est revenu en arrière suffisamment pour que je puisse aller affronter le pingouin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Putain, c'est pas vrai, on est enfermé, c'est vrai. Ok, on est enfermé. Et j'ai toujours pas le séquenceur de décryptage bêta. Donc on est dans la grosse merde. Pas de pingouin cet épisode, on n'aura pas de belles cuisses de pingouin à dévorer. Au prochainement. Et je dois dire que moi-même ça m'énerve. Ça mène. Mais bien sûr qu'il faut utiliser la tyrolienne, parce que sinon pourquoi l'aurait-on introduite dans ce niveau? When's my relief come? Heureusement, j'ai récupéré toute ma vie d'ici 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, quelque chose me dit que je vais choper les coffres. Enfin, les codes bêta. D'ici quelques minutes. Et je pourrai enfin m'enfuir de cet asile. Enfin, de ce côté de l'asile. Je suis à l'entrée. Ok. Ça veut dire que ça veut dire casse-toi, ça. Dans le langage commun, ça veut dire casse-toi de cet asile. Ça, c'est pas un truc que je peux dégommer maintenant. Ok, quelque chose me dit que je vais avoir une amélioration des batarangs pour en faire des batarangs électriques. D'ailleurs, j'ai remarqué que le Joker a décroché tous ses cadavres au plafond, c'est bien ça. C'est écolo. Et ça, c'est le truc bêta, c'est ça? Quelque chose me dit que le Joker est juste par là, quoi. Alors, de retour au phare. Où, pour rappel, le pingouin nous attend. Enfin, non. Je sais plus si le pingouin est au phare. Je pense pas, il est sous terre le pingouin, mais c'est l'accès au phare, c'est ça? J'ai bon?
In a case of dealing with a boss who's sporting a few loose screws, the best policy is just smile and nod. Whoa! He's here! I see him! I got you! Where did he... How the hell did he just disappear? Keep your eyes open. He could be anywhere. Damn it. He's gonna get us. I know he's gonna get us. Tu vas mourir, squelette. Donc j'ai fait ça pourquoi déjà? T'as fait ça pour pas te faire repérer sur le long terme? Ouais mais... Je crois qu'il m'aurait pas repéré de toute façon. Hein. Ok. Il y a des objets en mode je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Est-ce que j'ai vraiment besoin de demander où est-ce que ça va ça? Ça monte. Hey man, Zeke. We got it. Over here. Les mouvements que je demande, on aurait beaucoup moins de problèmes. Et hop. Même en mettant simplement le code. Down. You ain't taking it easy on us, so don't take it easy on him. I've been saving this just for you. No way he's gone. No way. If he thinks he can get through us, he's got another thing coming. You think yourself pretty bad. Over here. Nowhere to run. He's gone. We gotta be sure. Keep looking. There! I'll kill you! I'll kill the crap out of you! No idea where he is anymore. Non létal. Non létal. Je tiens quand même à rappeler que Batman ne tue pas les criminels. Jamais. Vous pourriez le croire, hein, après tout. It's him! Come on, where are you?
gotta be kidding me! He's real! Ok, je l'ai pas vu. Et du coup, ça ouvre la petite trappe gouvernementale. Appuyez sur là pour sauter, quoi. Mais c'est quoi ce bordel? Je pouvais pas faire ça moi-même? Me retirer tout le fun. Allez, allons. Voilà, on est retourné aux cellules. Et du coup, c'est sur ces images de moi triomphant arrivant aux cellules. On va voir s'il n'y a pas un dialogue, mais je vais quitter cette vidéo maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil et j'espère qu'on en aura bientôt fini avec ça. Parce que j'ai hâte d'aller sur Night. Allez, à plus.